l'ouvrage de la rénovation de l'église Notre-Dame de Lourdes de Cerville. Nous allons rencontrer l'administrateur de la paroisse, le père Louis Fossier, et nous allons aussi également voir les rénovations qui ont été encourues dans cette église. Sans plus tarder, voici notre reportage. Aujourd'hui, le lundi, le 15 mai. Thank you.
même déjà des gros changements. Mais tu es vraiment un spécialiste dans cette affaire. Ça, tu connais bien cette affaire. Alors, mon cher monsieur, vous êtes Joseph. Oui, oui. Mon nom est Joseph Lebestien, un artiste ecclésiastique, né en Hollande et établi à Cornwall, en Ontario. Approchez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est bien. OK. Oui. Fais ça. Alors, vous avez commencé quand à faire des rénovations ici? Dans cette église, la première journée que j'ai embarqué, c'était le 9 de avril. Immédiatement après avoir fait Saint-Ambroise. Qu'est-ce que vous avez commencé avec? Qu'est-ce que vous avez fait au tout début? Est-ce que vous avez juste démonté les bancs? Première chose qu'on avait fait, ici, c'était une relation entre moi et le père Fossier. Ah. C'est ça un début. Après ça, on adresse qu'est-ce que c'est que le besoin de la paroisse et aussi le besoin du curé. Après tout, le curé, lui, fait beaucoup de la partie de la paroisse. J'ai examiné qu'est-ce qu'il y avait ici dans cette église et premièrement, il y avait des difficultés, des fissures et tout ça. Ça, c'est un phénomène physique qu'on peut faut vraiment adresser. J'ai des ouvriers qui travaillent pour moi. On appelle ça la petite gang. Et puis, eux autres font tout qui est de base, c'est-à-dire un bon plâtrier, un bon menuisier. Et puis, ces hommes-là, ça fait longtemps que j'ai connu, puis ils sont très fiables. Et puis, en fait, de construction et tout ça, on adresse seulement l'intérieur de l'église. Très bien. Maintenant, je vais reposer encore la question tantôt parce qu'il y avait la radio, juste pour faire sûr qu'on avait une bonne... Alors, vous me dites votre nom puis votre origine. Ah oui. Mon nom est Joseph Lebestien, né en Hollande, par des parents qui étaient très artistiques dans les domaines. Fondation des arts classiques, et j'ai deux maîtrises que j'ai méritées, comme on va dire. Voilà. Un dans la peinture et l'autre dans la sculpture. Et pour des années que je faisais toutes sortes de galeries d'art, ici en Ontario, aux États-Unis, en Europe et tout ça. Puis, qu'est-ce que j'ai découvert? Que tous mes morceaux d'art, ils y allaient à des personnes, des individus, comme on va dire. Et puis eux, il y avait cela dans la maison, puis j'avais jamais l'occasion d'aller les visiter pour voir mes arts. J'ai décidé de rentrer dans les églises parce que ce que j'exerce dans les églises va durer au moins pour une centaine d'années. Puis dans ma sagesse de ma vie, je pourrais toujours retourner, disons, aller voir qu'est-ce que j'ai fait. Le projet de rénovation ici à l'église, oui. Vous estimez combien de temps encore que vous avez de travail à faire ici? Moi, j'estime la journée que je signe mon nom. Vous avez un nom? Ça reflète. Non, mais vous prenez votre temps. Non, mais c'est de qualité. C'est parce que, oui, moi, je ne prends pas ça comme un job. C'est pas un job. C'est une vocation que j'ai. Exact. Et la vocation indique qu'il n'y a pas de temps. Du temps, c'est manufacturé ça, par la société. Tandis que les affaires, pour le bon Dieu, il n'y a aucun temps. Voilà. Parce que lui, il ne te dit pas à 3h et 3h, tu vas mourir non plus. Non. Votre réaction lorsque le père Louis vous a contacté pour venir faire le travail, quelle était votre réaction? Bien, je vais vous dire, j'étais entre deux gros chefs-d'œuvre. Un chef-d'œuvre à Montréal, ça faisait 3 mois et demi que je travaillais dessus, et un autre, une chapelle pour les filles à Opus Dei, ici à Ottawa. Entre ça, père Fossier m'appelle et dit, Joseph, on a vraiment besoin de vous. J'ai dit, bien, OK, je vais venir faire un examen de vos besoins, on va dire. Et puis, je m'ai rendu sur le lieu, m'a montré l'église. La première chose que j'ai vue, c'était qu'il y avait besoin d'un bon nettoyage. Ça, c'était officiel. Comment trouvez-vous le travail? Est-ce que vous trouvez le travail
comment je pourrais expliquer ça? Comparé avec vos expériences passées de rénovation d'églises d'intérieur, est-ce que c'est un travail de routine pour vous ou c'est chaque église est un choc? Chaque église a sa personnalité. Chaque église a sa cosmétique indépendante. Chaque église, il faut qu'elle s'y adresse selon la communauté. Chaque église est un chef-d'œuvre indépendant. Je remarquais les piliers. Vous avez actuellement fait la texture avec une brosse spéciale. Ce n'est pas la tapisserie, ça. Non, les piliers, c'est... Non, c'est ça, c'est application de... un, deux, trois, quatre couleurs surimposées un sur l'autre. Que dans ces couleurs-là, sont coupées à moitié. C'est-à-dire qu'à moitié eau, à moitié peinture pour faire une transparence qui nous donne une couleur veloutée et non une couleur brune. Et ça donne une texture de plus que de granit que d'autre chose, en relation avec les couleurs de l'église. Et je vois aussi les colonnes, les piliers même. Les piliers même sont adressés au marbre, oui. Alors, vous avez fait ça à la main aussi? Tout est fait à la main, tout à travers ces 10 doigts-là, qui fonctionnent d'ailleurs. C'est intéressant comment ils fonctionnent. Mais ça fait assez longtemps que je les adresse, puis je dis, bon, ben, le 10 doigts-là, voilà. L'autre doigt va là, tu comprends? Fait que si les synapses continuent, on continue. Si les synapses pètent, bon, on admire. Hein, papa? On admire. Bon, vous souhaitez bonne santé, pensez à votre beau travail. C'est vraiment spécial. C'est une œuvre que vous faites, c'est une œuvre d'art. Oui, c'est un tableau artistique. Mais c'est un tableau artistique qui est intéressant parce que la majorité des artistes vont faire des tableaux pour un profit, pour vendre et pour les galeries, tout ça. Et le commerce, eux, vient à bout de déterminer, oui, c'est la grandiose de l'artiste. Mais moi, j'ai décidé que non, cette routine-là, là, ça brûle beaucoup d'artistes. Mais faire une œuvre comme ça ici, là, ça nous rajeunit un peu. Wow! Where were you when it hit? I didn't even see the pews when I walked in. You were all up here, right? Yeah. And I'm up here. I think you were surprised when you were working. Employee at the very far. And what am I doing here? I don't know anything about this. You're the PR man, just follow the scene. So Joseph, tell me what about these guys at the end there? What they're doing? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là au bout là? Les calorifères, ils ont tous été sandblastés, c'est ce qu'ils disent en anglais. Oui. Et puis là, ils vont les repeinturer pour les poser en place. Alors, ça, c'est leur travail actuel. Oui. Puis nous avons ici, monsieur? Monsieur Archambault. Pierre Archambault. Peter, on l'appelle Peter parce qu'il parle un petit peu plus d'anglais que de français, mais il est Archambault parce que je connais sa mère. Sa mère, c'est une Canadienne française. Puis son père aussi. OK. C'est mon adresse. Puis Peter, lui, est en charge de quoi? Peter, il est un des deux ouvriers qui travaille ici. Son boss, qui est son frère Robert, qui est moins loin, là. Non, il y a un autre boss. Robert, il est un peu trop gêné pour venir ici. Ça fait que, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Pierre qui va prendre le besoin de parler. Ouais. Alors, vous êtes contracteur? Oui. Alors, vous êtes vous occupez des calorifères? Pardon? Vous occupez des calorifères, des heaters? Oui. OK. Vous faites la rénovation, refurbishing? Refurbishing, oui. C'est ça. Est-ce que vous allez faire d'autres choses? On fait beaucoup de sandblasting, beaucoup de peinture. Puis, Alors, tout ce qui est métal, vous allez le sabler avec le... Puis Joseph va peinturer. Oui. Ou est-ce que vous faites la peinture, vous aussi? Oui, nous autres, on fait le base coat. Okay. Puis après, Joseph, il fait toutes les... Il fait beau. Le finishing touch. C'est une œuvre de Dieu. Il faut que les gens le sachent. On n'a pas arraché. Alors? Hein? Donc, here is actually doing my job of taking the interview. But the gentleman wants to know who the master in construction and renovations was, and this is obviously his job. David's not here, but Peter was taking a good interview here. And the gentleman over here, he's trying to get some information for the church. He's basically for the church. So he had some kind of a record list and what has been going on, what kind of information.
what kind of information. Obviously, he's going to put ask for a question. Well, you do some sandblasting. You're working on the heaters. That's right. Yeah. Parlez français? Un peu. Fractured French. Vous travaillez avec monsieur, vous faites du sandblasting. Oui. Et puis vous allez vous occuper de toute l'affaire, tout ce qui est fer, le sablé, puis Joseph, le peinture par après. Non, parce que rien ici, c'est en principe Robert et puis ses ouvriers étaient sous contrat. OK? Puis eux autres, ils ont fait toute la peinture que vous voyez dans l'église, dans les tons de couleur, aussi qui ont adressé toutes les fissures, le plâtrage, tout le vernissage, tout ce qui est, comment on va dire, commercial et industriel dans l'église. Moi, ce que j'adresse, c'est la finition dans le décor. Fait que ça prend deux équipes. Ils font le fond de scène. Oui, et puis sans une bonne équipe, moi, je ne peux pas faire un beau décor. Fait que j'exige toujours une bonne équipe. C'est non seulement pour l'ouvrage, c'est aussi une équipe qui est compétable aux besoins de la paroisse aussi. On ne veut pas avoir une équipe ici que je ne peux pas travailler avec. Les équipes, on a des douzaines, des millions d'équipes. Mais ça prend une équipe assez spécialisée pour travailler dans les églises. En fait, c'est quand les gens vont regarder ça, ils vont commencer à demander qui a fait. Non, c'est aussi un bon record pour eux quand ils vont le faire. Cathedral in Kingston. What? What? Because you could tell people what they're going to do. It's a Martha Stewart thing. Is it okay up there to stand? Open the door to the back. Boom. De la journée, puis ça me prend toute la journée de faire. Comme ça, t'es le bouffon de la place. Ouais, c'est ça. T'es le Joker. T'as-tu des moral officer, comme on dit, l'officier de...
Tu montes le moral des troupes ici? J'ai bien la misère avec mon moral. C'est quoi ton moral? qu'est-ce qu'il y a en l'air là? Son assistant. Mon assistant. C'est quoi ton nom, mon ami? Moi, c'est Régent. Régent. Bonjour, Régent. Ça fait depuis combien de temps que vous travaillez ici à la paroisse? Ça fait 6 mois. Vous avez toujours demeuré à Sirville, puis vous avez toujours revenu à l'église à Sirville? Non, je demeurais à Vanier. OK. Je suis nouveau à Sirville. Là, vous faites du travail ici bénévolat? Oui. Bénévolat pour faire l'électricité? Okay. Vous faites du travail bénévolat en toutes sortes de choses, peinture. C'est bien ça. Vous aimez ça? Oui. Vous êtes content? Thank you.
C'est comme la magie. C'est fun parce que la nature, c'est bien évident qu'il n'y a absolument rien qui est vraiment droit, carré. C'est toutes des vibrations. Fait que dans ce temps-là, je me sers de cette énergie-là pour faire le mal. Au moins, quand le bon Dieu a créé ça, il y avait bien du mal. Ça, en principe, c'est un. C'est un gars pour la vie de la mobile, ça marche très bien. Okay. Votre nom, monsieur? Oui, Dave Chambaud. Dave? Oui. Travaille? Oui, je travaille pour une douzaine. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ben, je peinture, puis. Là, on va faire le plancher à bois, là. OK. So. Tu fais le plancher de bois franc, ou tu peintures, ou tu poses le tapis? Du bois franc. Du bois franc? Oui, c'est ouais. Ça. Donc, on va commencer ça lundi, là. Tu veux nous montrer où c'est que tu vas travailler exactement? Qu'est-ce que tu vas. Qu'est-ce que tu planifies de faire? Le pointé, là, c'est quoi exactement? C'est ça, là? C'est le... Ouais, c'est ça. Tout en haut, on va mettre du bois frein là-dessus. So, c'est... Toutes les steps aussi. So. Et là, c'est sale, là. Ça a besoin d'un beau clean-up, mais. Am I ever glad to be a carpenter? This rondel, I screwed it on, it's right in the middle, it's exactly where I really want it to be. Yeah. Watch your finger. Wait a minute. I've been spinning around all that long. You want a solid screw, Bill? Want a solid screw? That's already good. Hold that thought. Yeah. Well, your coffee's getting cold. I know. It's coming. It's coming. I've got cold coffee. I've got cold. Yeah. Watch the skin. See? When the weather comes out and the windows are up, and you want to know where these fans are going, these things will spin like this. Okay. Like that sound? So to stop it from spinning, you don't want the place to spin out. We give it one of those, one, two, and she not spin them off. The wrong one.
Coming up? Excellent. Bring it on the door. You need this nail, Joseph? Yeah. C'est vraiment bon. Yeah. Yes, you do. You want it today? C'est ceux qui vont terminer ça cette semaine. Alors le temps de sabler, de mettre la peinture. Oui.